Avez-vous des passe-temps? Il y a quelqu'un qui m'a dit que vous jouez à des jeux vidéo. Est-ce que c'est vrai? Oui, ben en fait, pendant longtemps, ma passion, c'était Guitar Hero. Et ça, c'est mon amie Geneviève Borne qui m'a initié à Guitar Hero. Et bon, Expliquez un peu c'est quoi pour les gens ben qui savent Guitar pas c'est Hero, quoi c'est une les guitare passe-temps. en plastique C'est avec sur des le pitons, puis c'est sur la Wii, puis on fait semblant de jouer. De la musique qui joue, puis on essaie de suivre, en tout cas. Puis j'ai fait ça pendant peut-être 4 ans, puis je jouais expert. Je répétais même dans ma chambre d'hôtel en tournée le Guitar Hero. Puis là, je me suis senti ridicule avec mon petit morceau de plastique. Puis je me suis dit, bon, ben, achète-toi un instrument de musique. Alors là, je me suis acheté un vrai piano, puis je me suis installé, puis j'ai appris à jouer du piano. À Guitar Hero, est-ce qu'il y avait un morceau avec lequel vous étiez particulièrement expert que vous avez Ben, je mis suis devenu une très chanson? fort avec Metallica, qui est aussi une Geneviève qui m'a fait découvrir Metallica. Ben, je connaissais le nom, là, mais je ne m'intéressais pas du tout à ce type de musique-là. Et là, je suis devenu complètement maniaque de Metallica. Je suis capable de jouer de façon expert, toutes les. Bon. Mais pas au piano, malheureusement, ça joue très mal au piano Metallica. Alors, je m'intéresse plus à Chopin, puis à d'autres compositeurs ou à d'autres bandes qui sont plus liées au clavier.